Le Vendée, c'est une course d'endurance. Et pourtant, ça ressemble de plus en plus à une course de vitesse. Mieux, une course au record de distance sur 24 heures. Les conditions du record sont établies maintenant, mais qui de François Gamard ou Derbac Paprec ou Pierre Dick va l'avoir? That's the question. Autrement dit, ça va très vite. On entend à peine François Gabart. Mais écoutez le bruit, regardez les vibrations et imaginez ce qu'il dit. Voilà l'océan Indien dans toute sa splendeur. Je pense qu'on est bien dedans, on est dans le pied du soleil comme on dit. À 35-42 et le bateau plus bas entre 22-22. C'est impressionnant, je crois que tu vois le pourtant, j'ai tout fait pour pas beaucoup balader non plus. Ça pour en profiter, il en profite. 545 000 en 24 heures, nouveau record sur un Imoca en solitaire. Mieux, il vient de dépasser Armel Lecléache. La question est de savoir s'il est poussé par l'opportunisme ou la nécessité. On sent bien qu'il se passe quelque chose, le front part par devant, et n'y a-t-il pas là la tentative de faire le break et de filer avec Armel? Quoi qu'il en soit, Armel ménage son bateau et a l'air tranquille comme Baptiste. Le petit copain François qui a bien marché cette nuit, qui a été rapide, qui est juste sous le vent, à 4000. Et voilà, donc on avance bien avec mon populaire. Ça mouille pas mal, une nuit assez agitée. Et voilà, il y a des bons surfs, des bonnes moyennes. Et voilà, vous voyez, ça. Ambiance humide sur le pont. Voilà, et donc on est à 2000 milles du Cap Lewin, prochain cap à franchir. Après le premier cap qui était Bonne Espérance. Allez, ciao, ciao!